Melnik et moi avions quitté le train, puis on avait grimpé le tunnel qui menait au théâtre Korolev. On était arrivé près de la tour Ostankino. Là, au milieu des rues gelées, on avait rejoint les autres Rangers dans le combat féroce qui marquait le début de mon histoire. Content de vous voir, colonel. Vous avez entendu ça? Mais qu'est-ce qui se passe? Tous en cercle! Tu vas bien? La horde s'est dispersée. C'est leur seule chance d'atteindre la tour. Suis-moi, Artyom. Ne t'arrête pas une seule seconde. À gauche. À droite. Artyom, ici.
Greg. Un moyen d'arriver en haut. T'es un éternel optimiste, Manic. Plus facile à dire qu'à faire. Bon, j'ai une idée. On n'a qu'à grimper sur le toit de l'ascenseur. On essaiera de déverrouiller les contrepoids de blocage. Viens par là, salopard! Allez! Ouah! Engage-toi dans l'armée, qui disait. Tu vas bien te marrer. Préparez-vous, ça risque de chauffer. Thank you.
Actium, le signal est parfait. Tiens bon, encore une minute et on les aura. Il est venu nous détruire. Pourquoi ? Nous ne pouvons pas le laisser. Nous changeons
Si l'adversaire est hostile, tue-le. La guerre amène la guerre, et la mort apporte la mort. Pour briser ce cercle vicieux, on doit faire plus qu'agir sans réfléchir ni douter. 20 secondes avant la procédure de lancement. H.G. Wells a écrit « Si nous n'en finissons pas avec les guerres en finiront avec nous. » Et d'une certaine façon, j'avais mis un terme à ma guerre. À ce moment-là, j'étais incapable de dire ce qui m'avait poussé à épargner les ombres. Mais j'avais réalisé par la suite que les étranges visions qui avaient hanté mon voyage étaient en fait leur tentative de communication avec nous. J'ignorais si j'avais été le premier à communiquer avec eux, mais je savais que je ne serais pas le dernier. Et le futur, notre futur, s'ouvre devant nous comme un tunnel de métro sans fin.